Salut, salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue sur les podcasts de Boxe Attitude. On va faire un petit point là, avant ce week-end boxe, parce que quand même, il y a des choses à dire. Et il n'y a pas que la soirée Canelo Golovkin 3. D'ailleurs, à ce moment-là, là, au moment où vous m'écoutez, sur la chaîne principale, sur Boxe Attitude, vous avez la vidéo qui est sortie où je reviens sur le parcours de Canelo, son parcours entre sa défaite contre Floyd Mayweather et entre sa deuxième défaite contre Bivol, voilà tout ce parcours qu'il a fait de Canelo, j'estime en tout cas, vous me direz, je verrai dans les commentaires et vous me direz dans cette, sous cette vidéo-là ce que vous en pensez, mais pour moi, ce parcours a fait de lui le roi incontestable de la boxe anglaise à l'heure actuelle. Vraiment le visage, il incarne la boxe, hein, vraiment la boxe pure, hein, pas seulement la boxe grand public comme peut l'incarner un Joshua ou comme un Tyson Fury peut parler à certaines personnes parce qu'il a un côté un peu drôle et les gens vont pas forcément te parler de boxe quand ils parlent de Tyson Fury, mais plus de parce qu'ils sont attachés à une personnalité. Voilà, bref, Canelo, il incarne quand même la boxe de notre génération. J'attends vos retours hein, en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec cette impression que j'ai sur Canelo. Je dis pas que c'est mon préféré, attention, hein. Je dis juste que pour moi quand même, faut bien reconnaître qu'il incarne la boxe anglaise. Ensuite, alors, je vais enchaîner dans cette vidéo. Oui, donc je vous ai dit, normalement cette vidéo elle est sortie, mais bon, je dis peut-être, parce que c'est pas sûr. Elle est censée être sortie hier, parce que moi je vais vous sortir la vidéo là, vendredi matin. Je dis peut-être parce que là j'ai des petits soucis en ce moment, pas mal de vidéos qui se font bloquer. Bon, ça m'arrive assez régulièrement, c'est vrai que je joue avec le feu, mais là je me suis fait bloquer, alors je m'y attendais pas, sur Instagram, parce qu'en ce moment je fais très attention aux montages que je fais, ils sont vraiment travaillés pour pas avoir de soucis avec les différents diffuseurs, hein, là où je récupère les images à droite à gauche, parce que même si c'est des images qui sont mises en public, c'est-à-dire que vous pouvez regarder gratuitement, bah, elles appartiennent quand même à des diffuseurs, que ce soit des promoteurs qui ont les droits sur les images des boxeurs, ou des chaînes de télévision qui ont acheté les droits pour diffuser et pour avoir l'exclusivité. Et là, je me suis fait choper sur Instagram, ils m'ont bloqué la vidéo, alors elle est partout, hein, elle est sur YouTube, c'est le short qui est sur YouTube, elle est sur TikTok, mais je l'ai même mise sur Twitter, bref, elle est partout, mais c'est vrai que moi j'aime bien quand même Instagram. Et c'est Golden Boy Promotion qui m'a bloqué. C'est marrant, je m'attendais pas à ça. Donc Oscar De La Hoya et Bernard Hopkins, hein, qui sont derrière Golden Boy Promotion. Et ça m'étonne parce que ça fait un moment qu'ils sont plus avec Canelo. Et en fait, ils doivent avoir bien sûr encore les droits à l'image, peut-être des deux premiers combats. J'avoue que je me souviens plus s'ils étaient promoteurs sur déjà les deux, mais je pense que c'était encore Golden Boy le promoteur de Canelo à ce moment-là. Il s'est séparé peut-être juste après. D'ailleurs, c'est un point sur lequel dont j'ai pas parlé dans ma vidéo sur le parcours de Canelo. Enfin, je l'aborde, mais j'ai pas dit le moment exact où Canelo va faire ce changement. Et du coup, à mon avis, là, pour ce week-end, ils sont un peu sur les dents. Comme tout le monde réutilise les images des deux premiers combats, ils doivent se dire, on va essayer de tirer au maximum et de bloquer un maximum de vidéos. C'est un peu leur manière de rester dans le game, tu vois, de rester dans la partie. Alors que Canelo, il est parti faire de l'argent avec un autre promoteur. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez marrant. Donc c'est pour ça que je prends des pincettes. Je me dis, bon, peut-être que la vidéo va être bloquée. J'espère pas, en tout cas. J'espère qu'elle vous aura plu parce qu'elle m'a demandé un sacré travail de recherche sur ces presque 10 ans de carrière de Canelo entre son combat contre Mayweather et son combat contre Bivol. Alors oui, je sens l'excitation qui monte, hein. Moi, je rigole bien là, avec les commentaires que je lis sous les vidéos que j'ai faites. Bon, je me prends au jeu de taquiner, d'être provoque un peu dans mes pronostics sur Boxe Attitude avec des vidéos très très accrocheuses où je joue le supporter et j'adore ça, j'adore ça. Et surtout, imaginons que le miracle se passe, que Golovkin mette Canelo au tapis, ou en tout cas qu'il gagne ce combat, ça serait complètement fou. Ça serait une très mauvaise période pour, j'allais dire Joshua, pour Eddie Hearn. Ça serait une mauvaise période pour Canelo, pour Eddie Reynoso. Ah, ça ferait mal, ça ferait mal. Je pense que là, tout le monde, que ça soit voilà, Eddie Reynoso, la team de Canelo, Canelo, Eddie Hearn, ils sont tous en train de se dire non, 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 la Golovkin, non, mais rêve même pas en fait. On va pas avoir ça en plus. Toi, tu vas nous permettre de nous relancer. Je pense qu'ils sont tous dans cette attente. Et ça me donne d'autant plus envie que
il se passe quelque chose de fou et que Golovkin mette KO Canelo. Et alors là, franchement, ça serait la folie la plus totale. Mais bon, ça va être difficile, hein. Voilà, comme je vous l'ai bien exposé dans le podcast précédent, d'ailleurs, qui a été assez vu, hein, plus de 3000 personnes qui l'ont vu. D'ailleurs, on est bientôt 3000 sur la chaîne de podcast, hein. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait plaisir déjà. Et puis moi, je vise les 10 000 sur cette chaîne de podcast. Franchement, 10 000, ça serait magnifique. Franchement, ça serait vraiment magnifique. Donc voilà, donc comme je vous disais, Canelo, ça risque d'être très difficile de lui arracher une victoire parce que toutes les planètes sont alignées pour que cette fois-ci, Golovkin n'ait aucune chance de briller. Mais le gars arrive tranquille. J'ai encore regardé une vidéo juste avant de vous tourner ce podcast. Le gars, il arrive tellement tranquille, c'est incroyable. Il a l'air tellement relax. On dirait pas que c'est lui qui va boxer ce week-end. Donc, bon, il me fait plaisir. Alors, j'espère qu'il va me faire autant plaisir sur le ring qu'il m'a donné du plaisir là, pendant les conférences, pendant tout ça, parce que je me suis bien, bien régalé. Et j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. Et donc, je suis très content de jouer ce petit jeu avec vous. Dato m'a taquiné. Hein, il a fait une vidéo où il dit l'inverse de ce que j'ai dit. Hein, il dit comment Canelo va battre Golovkin. D'ailleurs, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Parce qu'il a dit, je dirais, dans une prochaine vidéo, le pronostic et comment ils vont gagner. Donc vous avez vu, il a un peu triché. Hein. Ah, il a triché, Dato. Mais Dato, je pense qu'il a un peu les chocottes, parce que la dernière fois qu'on a joué à ça, bah, j'ai gagné. C'est Usyk qui a battu Joshua, et lui, il était à fond pour Joshua. Joshua a perdu, voilà. Donc Dato, je sais qu'en ce moment, il a un peu peur. Mais Dato, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Là, cette fois-ci, franchement, il y a peu de chances que je gagne ce pari. Hein. Il y a peu de chances que je le remporte, donc Dato, sois un peu plus confiant. Je le taquine, Dato, c'est un ami, c'est vraiment un ami. Et donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, justement, comment Canelo va battre Golovkin. Comme ça, les fans de Canelo auront leur vidéo, et les fans de Golovkin ont la vidéo que moi j'ai faite. Et y a pas mal de supporters qui espèrent une folie ce week-end, qui espèrent quelque chose de Golovkin, qui y croient, il y en a qui y croient franchement. Donc c'est beau à voir et j'ai hâte d'y être. Et on se donne rendez-vous donc dimanche matin pour débriefer tout ça. Et avant ça, on va se retrouver samedi pour parler de la pesée. Ça sera la dernière vidéo sur cet événement. Ensuite, les amis, on va parler de... Bon, déjà, je vous avais fait une vidéo podcast sur le combat Meyer-Baumgartner et Sheffield contre, j'ai oublié son nom, Marshall. Et suite à la mort de la reine d'Angleterre, la soirée boxe a été annulée. Et ils l'ont reporté à un mois, je crois. Donc c'est quelque chose quand même. Ils ont reporté ça à un mois. Donc c'était juste pour vous dire que voilà, cette soirée n'a pas eu lieu. C'est dommage, parce que je m'étais bien bien chauffé pour la regarder. Bon, après, il n'y a pas grand monde qui a écouté ce podcast, hein, sur la soirée boxe féminine. Ça n'a même pas fait 600 vues. C'est vrai que ça fait un peu mal au cœur. Et en parlant de boxe féminine, ben, ce week-end, il y a une autre réunion quand même sur laquelle j'aimerais m'attarder. C'est la réunion au Canada. Eyes of the Tiger encore. Oui, je vais dire un petit mot sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Laissez-moi juste présenter cette fiche. Et donc, je vous disais boxe féminine parce qu'on a Emma Gongora qui sera donc en sous-carte. Alors, je vais me lever, je vais essayer de me lever à peut-être 3h du matin. Je pense que ça sera bon pour voir Emma, en espérant qu'elle soit télévisée. Et il faut savoir que Emma, donc j'avais fait un podcast avec elle, hein, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, hein, les podcasts de Boxe Attitude, qui donc une interview, c'était voilà, il y a une semaine. Donc là, en ce moment, elle est au Canada, là, elle vient d'arriver là-bas. Ou peut-être elle est encore dans l'avion. Non, je pense quand même qu'elle est arrivée. Et donc, on a parlé de ça, qu'elle allait combattre à cette carte-là. Et donc, en tête d'affiche, c'est Makhmoudov contre Takam. J'aimerais dire un petit mot sur ce combat-là aussi. Et juste, Emma, excusez-moi, mais je suis un peu... Je donne toutes les infos comme ça. Emma, donc, que j'ai interviewée, elle va être la première à porter la marque Yaruki. Voilà, donc bon, j'en suis pas encore au niveau à faire un short où elle va la voir pendant le combat, mais j'espère qu'un jour ça pourra se faire. Mais juste, elle a reçu, voilà, les t-shirts, elle a partagé sur ses réseaux. Peut-être qu'elle le portera ou que quelqu'un de son staff le portera pendant le combat et qu'on le verra ça entre les rounds, je serais très très fier. Donc Yaruki, c'est la marque que j'avais créée avec un ami il y a quelques années. Bon, mon ami n'a pas pu suivre l'aventure, du moins pour le moment. Et j'ai jamais pu commercialiser cette marque. Et là, ça y est, avec mon partenaire Serge, qui a relancé un site de vente de produits de boxe, hein, de matériel de boxe, voilà, d'accessoires de boxe et tout sport de combat.
Et ben, d'ailleurs, le lien est dans la description. Et ben, il est en vente la marque Yaruki aujourd'hui. Donc voilà, je suis très fier. Et donc, Emma, c'est la première à qui on a proposé de porter les t-shirts Yaruki. Donc c'est un plaisir. On m'a posé une petite question aussi, pourquoi j'ai mis l'interview d'Emma sur la chaîne secondaire? C'est vrai que j'ai moins d'abonnés que sur la chaîne principale. Et ça lui permet d'avoir peut-être moins de visibilité. Écoutez, c'est un choix que j'ai fait il y a quelques mois. Et ce choix-là, je ne l'ai pas fait selon les boxeurs moins connus, plus connus. C'est pour aussi un choix pratique de ma part. J'ai voulu que le contenu sur la chaîne principale soit plus clair pour ceux qui suivent la chaîne principale. Et la chaîne de podcast, c'est une chaîne où justement on peut développer autour d'une information box, on peut développer du coup autour de l'actualité, on peut inviter quelqu'un et avoir un débat. Et quand je vous dis inviter quelqu'un, c'est pas forcément un acteur de la boxe, ça peut être un abonné comme toi qui m'écoute en ce moment. Là prochainement, il y a Malik. Malik, je te promets, tu vas venir. Il y a Malik qui va venir. On va faire un débat ensemble. Et ben, prochainement, il y aura Fred aussi. Fred, on va tourner la semaine prochaine. Donc je pense que ça sera en live pour les membres de Box Attitude. Et Fred, il va nous parler un peu de ce qui s'est passé. Fred, c'est le boxeur pro qui vit à New York et avec qui j'ai fait le stage à New York et qui est sorti l'été dernier. J'avais eu des retours extraordinaires. Et comme il était en sous-carte, il devait être en sous-carte du dernier combat de Jack Paul, ça s'est annulé. Et il va nous parler un peu des coulisses de ce combat et de ce qu'a fait Jack Paul pour les boxeurs. Parce que, bah, voilà, on va quand même dire du bien de Jack Paul. Parce que il faut quand même reconnaître qu'il fait des choses bien. Et c'est ce que j'essaie de développer aussi dans mes vidéos, même si elles sont critiques envers lui. Bah, d'ailleurs, en parlant de Jack Paul, un petit mot, son prochain combat, c'est contre Anderson Silva, ça a été annoncé. Ça sera le 29 octobre. Franchement, je m'exaspère. Je m'exaspère parce que je vois que les gens, ils sont comme des oufs. Oh, Anderson Silva et tout. Oh. Les gars, Anderson Silva, il a 47 ans. Enfin, je suis désolé, mais je veux bien qu'il a été un grand combattant. Il n'y a pas de souci sur ça. Il n'y a pas de souci. Mais Anderson Silva, il a 47 ans aujourd'hui. Oui, mais il a battu Julio César Chavez en 2021. Julio César Chavez Junior, hein, bien sûr. Julio César Chavez Junior, c'est un toxico. Il est complètement parti en sucette. Il a ruiné sa vie. Il croit plus du tout en lui. Julio César Chavez, quand il était préparé et sérieux, s'il l'a été un jour, il ruine Anderson Silva. Arrêtez. Ça veut rien dire, ça. Donc moi, j'ai peur de voir un mec de 47 ans se faire mettre KO par un mec de 25. Moi, c'est ça que je vois. Parce que j'ai pas l'attache à Anderson Silva que certains ont. Bref, on en reparlera, mais moi je suis assez. Je suis fatigué en fait. Je suis fatigué de ce genre d'affiche voilà. Bon, on va avoir des choses bonnes à dire sur Jack Paul, comme je vous l'ai dit, mais là c'est un peu. J'en ai ras-le-bol quoi. C'est vraiment. C'est exaspérant, les amis. Vraiment, très sincèrement. Bref, je vais pas m'attarder plus là-dessus, c'est pas le but. On revient à l'affaire. L'affaire qui s'est passée la semaine dernière avec Nawfal Watta contre Simone Kane. Alors, je ne me suis pas exprimé publiquement, ok? J'ai fait un post où je vous ai demandé votre avis avec la photo de Nawfal Watta qui pose le genou à terre et donc qui refuse de combattre pour contester contre une décision de la Fédération Française de Boxe. La Fédération Française de Boxe a mis un communiqué en ligne que je ne souhaite pas, auquel je ne souhaite pas réagir. J'ai réagi en live avec les membres de Boxe Attitude. À la Edato. Il y a eu un débat, j'étais assez remonté et finalement en discutant avec Dato, je préfère ne pas sortir cette vidéo. Donc pour les membres, elle est disponible, mais elle n'est pas constructive. Et puis si je dois prendre vraiment position et donner mon avis, je vais attendre d'avoir l'avis de tout le monde. Parce que j'ai l'avis d'Eyes of the Tiger, qu'on peut retrouver sur des sites sans problème où ils disent que bah voilà, eux. Je vais juste vous rappeler un petit peu parce que du coup vous n'avez pas le contexte, excusez-moi. La semaine dernière, lors de la sous-carte du combat de Christian Mbili, il devait y avoir Nawfal Watta contre Simone Kane, combat poids lourd. Nawfal Watta monte sur le ring, pose un genou à terre, refuse de combattre et il expliquera que c'est parce qu'il a reçu un mail de la Fédération Française de Boxe qui lui disait qu'il était interdit de sortie de territoire dû au règlement de la Fédération Française de Boxe qui interdit toute personne qui a connu un KO de faire son prochain combat à l'étranger. Donc, il ne répondait pas à cette règle précisément. Et donc, il n'avait pas l'autorisation d'aller combattre à l'étranger. Et il avait peur de ne pas être protégé au niveau des papiers et, pardon, des soins, au niveau des soins, de ne pas pouvoir avoir accès aux soins, comme on l'a en France, hein, quand on exerce son métier. Et de devoir, bah, si jamais il y a un accident, tout payer de sa poche.
Et on peut comprendre qu'une bourse de boxeur, c'est pas énorme. Tu mets en jeu ta santé, t'es pas censé de ta bourse payer pour ta santé. C'est quand même la moindre des choses. Et Eye of the Tiger a contre-argumenté en disant, donc Eye of the Tiger, c'est le promoteur de la soirée, et donc ils ont dit, mais nous, on finance les frais médicaux des combattants. Donc voilà, ça met un peu dans l'embarras Nafel Ouattara. La fédération a refait un communiqué en précisant bien que ben voilà, il répondait pas au règlement et qu'il n'avait pas à sortir du territoire et donc il condamnait son geste. Et donc ils estiment qu'il y aura aussi sans doute des sanctions par la suite. Nafel Ouattara, lui, ne s'est toujours pas exprimé. Comme vous voyez là, je vous donne les faits, je ne veux pas porter un jugement à l'heure actuelle, un jugement public. J'ai répondu dans la sphère privée avec les membres de la chaîne. Et si Nafel Ouattara donne son avis publiquement, là, je vous donnerai à mon tour mon avis sur cette affaire. Voilà, c'était juste pour réagir à ça. Bon, finalement, cette vidéo, c'est un comment va la boxe, hein. On parle un petit peu de tout. Du coup, on va revenir à l'événement de ce week-end et je vais dire un petit mot, voilà, sur ça, sur cette soit sur juste sur l'événement principal. Hein, pardon, je bafouille, je bégaye. Juste pour l'événement principal, donc Erslanbek Makhmoudov qui a 14 victoires, 14 KO, hein, voilà, il est terrifiant, hein, voilà, on va pas se mentir, hein, il a 33 ans, il est d'origine russe et il vit à Montréal parce que bah, c'est là-bas qu'il est licencié et qu'il a bah, son entraîneur, tout son staff et tout. Et face à lui, on aura Carlos Takam. J'avais pas forcément envie de faire un podcast avant combat, donc Carlos Takam, on connaît son expérience, hein, il a quand même aujourd'hui 39 victoires, 28 remportées KO, par KO, 6 défaites, 4 quand même par KO, un match nul, mais ces 6 défaites, il faut reconnaître, c'est contre quand même des pointures. Il a quand même connu des combats contre, et il a perdu contre Povetkin, Parker, Anthony Joshua, Derek Chisora et enfin John Joyce, c'est son dernier combat. Tiens, tiens, tiens. Carlos Takam, qui a connu sa dernière défaite par KO, peut aller combattre lui à Montréal. Oh, est-ce qu'il va pas se passer la même merde là? Attends, mais c'est quoi ce délire? Carlos Takam, attends, peut-être que Carlos Takam, il a plus une licence française. Ça, c'est possible. C'est possible que Carlos Takam ne soit plus licencié en France. En tout cas, je l'espère pour lui. Je l'espère pour lui parce que ben voilà, l'exemple parfait. Takam ne pourrait pas combattre contre Makhmoudov à cause de cette règle. Bon, je vais rien dire. Je vais rien dire parce que je vais rentrer dans un débat. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un exemple. Là, normalement, si Takam il est licencié en France, il ne peut pas combattre Makhmoudov. C'est dingue ça. C'est complètement dingue. Bon bref, allez, je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est en train de ça m'énerve. Je vous le dis, ça m'énerve. Alors, pourquoi? Et j'avais envie de faire un podcast quand même. Donc je prends le temps quand même de faire ce podcast-là. Alors que bon, j'avais donné un petit peu mon avis. Dato a fait une vidéo très bien, voilà, sur ce combat-là. Et moi, quand j'avais donné mon avis, quand l'affiche avait été annoncée, je disais, bah, Takam, il a un truc à faire. Moi, j'y crois, je vais regarder ce combat-là. Je me dis, sportivement, il y a un truc à faire. Takam, dans ses derniers combats, il a toujours proposé des choses. Il n'a pas été mauvais du tout contre Joe Joyce. Et j'estime que Joe Joyce est le meilleur de la génération Rio. Et Makhmoudov, pour moi, il fait partie de cette génération-là. Hein. Clairement, il fait partie de cette vague-là. Et en sachant qu'il a fait quand même un combat honorable contre Joe Joyce, je me dis, hey, le Makhmoudov, il n'a pas une fiche si impressionnante que ça. Oui, il met que des KO, mais attention, Takam, il a de l'expérience, c'est un chouette boxeur, et il aura quelque chose à proposer. Donc, j'avais juste dit ça, voilà. Et puis, là, sous mon post, la dernière fois, j'ai fait un post sur les réseaux et j'ai vu les commentaires des Français. Parce que moi, je poste pour des Français. Hein. Et bon, j'ai quand même une communauté qui est plutôt bienveillante. Voilà, faut quand même le dire. En général, il peut y avoir des gens qui sont durs, mais bon, ça peut s'entendre. Mais là, j'étais quand même surpris. J'étais quand même surpris. Ça dénigrait beaucoup Carlos Takam. Alors oui, quand tu regardes l'affiche, tu te dis, bon, il a quand même plusieurs défaites, il a quand même aujourd'hui, attendez, attendez, je veux voir son âge à Monsieur Takam, il a 41 ans, c'est vrai. Il est vachement plus petit, il y a quand même 10 cm d'écart, et l'autre, c'est un puncher. Ok. Mais alors, cette façon de parler de lui, comme si, voilà, il vendait...
on va le dire un peu, il vendait un peu ses fesses en fin de carrière, que sa fin de carrière se résumait à aller se faire mettre KO par des prospects. Oh, je me suis dit, mais quand même! Tu sais, surtout que Carlos Takam, c'est quelqu'un qui inspire, qui inspire le respect, c'est quelqu'un qui. Tu te dois d'être bienveillant dans sa façon de s'exprimer, sa façon de se comporter, la façon de l'image qu'il renvoie. Et puis, le comportement qu'il a sur le ring, c'est toujours un mec qui est allé au combat, qui a rencontré des boxeurs qui étaient quand même un niveau au-dessus de lui, qui a fait son combat. Et quand tu te rappelles de son combat contre Joshua, où il donnait le meilleur de lui-même, il a convaincu et il a gagné le respect des Anglais. Quand il fait son combat contre Derek Chisora, bah, il domine, et puis il y a ce coup, parce qu'on est chez les poids lourds, et il prend un KO. Je veux dire, quand même, et puis ce qu'il fait contre Joe Joyce, moi je dis respect. Je dis respect quand même à Carlos Takam. Donc quand j'ai vu ça, j'ai quand même été un petit peu surpris, parce que c'est pas que je dise qu'on n'a pas le droit de critiquer les boxeurs. C'est pas ça. Parce que, voilà, par exemple, Tony Yoka, des fois je vois des messages très durs, mais je le comprends, je l'explique. Parce que c'est le revers de la médaille. T'es numéro un, t'es très médiatisé, tu es riche et tu t'exprimes en disant que tu veux être le meilleur. Donc, tu as forcément des personnes qui vont être critiques, qui vont exprimer déjà le fait que tout ça va animer beaucoup de jalousie, ce qui est normal, hein, je veux dire, c'est. Voilà, quand des fois, quand tu regardes des acteurs, des trucs, bah, t'as un certain sentiment de jalousie. Après, normalement, tu es censé savoir te contenir pour ne pas l'écrire sur Internet et rager, ça c'est un autre niveau, mais la jalousie c'est normal. On aimerait tous avoir une vie où on est sportif, enfin tous, je ne sais pas, mais t'aimerais avoir voilà, de l'argent, des beaux contrats, moi j'aimerais bien être sponsorisé par Le Coq Sportif. Ça éveille un petit sentiment de ah oh, j'aimerais bien avoir cette place moi, c'est normal. Mais de là à cracher ta haine, voilà, il faut savoir se modérer. Mais ce que je veux dire c'est que je l'explique, tu vois, je l'entends. Quand je vois les critiques de fou que je lis sous les vidéos que j'ai sorties juste avant son combat contre Bacolé, où il disait qu'il voulait Joshua, Wilder et tout, je parle de Tony Oka, qui est des critiques de sous, ben c'est voilà, c'est le retour de bâton, le retour de flamme, comme on dit. Ça s'explique. Mais quand je vois ça sous un post qui parle de Carlos Takam, je suis quand même surpris. Je me dis que tu le penses. Tu vois, encore, c'est toujours ça le truc, que tu le penses. Tu vois, que tu dis, bon, voilà, t'es là, t'es chez toi, tu dis, il va prendre une tôle. Allez, t'es là, t'es chez toi, tu l'exprimes, c'est normal. Mais que tu n'aies pas la présence d'esprit de te dire qu'à partir du moment où tu écris quelque chose de public, tu te dois de te comporter comme si tu étais en train de discuter avec la personne. Et ce mec-là, enfin, si tu suis la boxe, si tu suis ce sport, doit t'inspirer un respect. Tu ne lui dirais pas ça. Parce que si tu serais face à lui, déjà, tu serais impressionné. Tu serais impressionné par l'homme et tu penserais à son parcours. Et tu n'aurais qu'une chose, enfin, tu aurais envie que d'une chose, c'est de lui serrer la main et lui dire, vas-y, viens, raconte-moi un peu. Raconte-moi ton histoire dans la boxe. Tu vois, tu aurais envie de partager un moment avec lui. Donc, comment tu peux te permettre, à un moment donné, de te poser et de mettre un message violent envers cet homme-là? Tu vois ce que je veux dire? Je trouve déjà que c'est abusé quand tu le fais envers Tony Oka. Mais encore une fois, je dis que ça peut s'expliquer. Parce que la place de numéro un, la médiatisation et tout, pas de souci. Mais il y a des mecs quand même où je pense qu'il est important de se rappeler qu'on leur doit un certain respect. Voilà, je voulais juste parler de ça. Ça me tenait à cœur, très sincèrement, ça me tenait à cœur. Maintenant, ça va être un combat difficile. C'est vrai, je ne te dis pas que tu dois me dire oui, comme c'est un Français, ou en tout cas comme c'est un boxeur qui a fait sa carrière en France, je vais le soutenir absolument. Et je vais m'aveugler et dire voilà, il va gagner, c'est sûr, non, 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 et j'insulte tout le monde qui pense le contraire. Non, c'est pas ce que je te dis. Ce que je suis en train de te dire, c'est respecter. Et c'est ça qui me navre de plus en plus sur les réseaux. Et c'est dû aussi à la boxe, hein. Ils sont responsables, hein, le comportement des boxeurs, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde avec les influenceurs, tout ça, le trash talk qui va beaucoup trop loin, voilà, on s'est rabaissé, les sportifs se sont beaucoup rabaissés aussi. Donc, il y a des responsabilités des deux côtés. Mais moi, en tant que passionné de boxe, qui a créé un média, qui aujourd'hui est en contact avec des boxeurs, demain, je peux être amené à interviewer Carlos Takam. Je suis désolé, mais
je ne veux pas que les gens qui me suivent se permettent ce genre de remarques, et je veux pas rentrer dans le jeu de je vais aller vous écrire, vous insulter et tout, vous bannir et tout. Non, moi je veux qu'on ait une discussion et qu'on se dise, les gars, et commençons par respecter, par être bienveillant envers les combattants. Parce que là, on parle pas de Jake Paul, d'accord? Qui va faire un combat d'exhibition contre un mec de 47 ans. On parle de Carlos Takam, qui va encore au charbon, à 41 ans, et qui va prendre Makhmoudov, qui va prendre un prospect. D'accord? On met du respect sur Golovkin, qui à 40 ans va affronter Canelo. Bah, mettez du respect sur Carlos Takam. Voilà, je pense que c'est important aussi de rappeler ça. Voilà, je ne veux pas faire le moralisateur trop longtemps, mais là, pour le coup, j'ai été un peu piqué. J'étais un peu piqué, j'étais un peu blessé, et j'ai trouvé ça surtout vachement injuste. C'est pas grave en soi. Il y a plein de gens qui vont me dire, non, mais JC, ça va, c'est pas grave, laisse-les parler et tout. Ben, j'entends ce que vous allez me répondre, j'entends. Mais en même temps, je me dirais, non, tu peux pas. C'est quand même sous mes médias, c'est sous mes posts et tout. Je peux pas rester comme ça sans réagir. Je pensais pas que ça prendrait forcément cette tournure, hein, voilà, mon podcast. J'ai parlé de plein de choses. J'espère que ça vous a quand même plu. Et puis, que ce serait beau que Takam nous fasse une petite surprise ce week-end. Donc ce week-end, voilà, moi je vais pronostiquer. Enfin, j'ai pronostiqué. Non, je vais pas mentir. J'ai pas pronostiqué la victoire de Golovkin. J'ai dit que j'étais pour lui à 100%. Mais disons que ce week-end, je me mets du côté de ceux qui ont le moins de chances de réussir. Et j'ai envie de croire à deux exploits. Voilà, j'ai envie d'y croire. Allez, Carlos Takam. Allez, Golovkin. Montrez-nous que les quarantenaires sont encore là. Sont encore là et qui peuvent faire des belles choses. Allez, on finit sur une note positive. La grande majorité, je sais que vous respectez les combattants, je sais que vous êtes dans la même dynamique que moi, même que, quand ben voilà, je dis des choses et vous n'êtes pas d'accord, vous avez cette capacité à me l'exprimer sans rentrer dans l'insulte et dans le clash, dans la grande majorité. Donc, il n'y a pas de souci, je m'en rends compte. C'est juste que là, voilà, j'avais envie de parler de ça. Je vous souhaite un bon week-end de boxe. Donc, ça sera dans la nuit de vendredi à samedi et de samedi à dimanche. Ça va être dur, on va pas beaucoup dormir. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous un bon vendredi. Et on se retrouve. Je pense quand même qu'on va se retrouver vendredi matin. Ah, je sais pas. Parce que. Pardon, samedi matin. Parce que y a quand même la vidéo que je vais faire sur la pesée. Bon, après, si Takam gagne, il y a une chance que que je lance une petite vidéo. Y a des chances, il y a des chances. Allez les gars, je vous souhaite à tous un bon week-end de boxe. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à aller sur le site si vous voulez procurer du matériel de boxe et des t-shirts Yaroki. Vous avez un code boxe JC pour avoir en cadeau des bandes de protection. Vous pouvez aussi soutenir en faisant un petit don sur Utip ou en vous abonnant à la chaîne, en souscrivant à la chaîne pour minimum 2 euros par mois. J'ai réellement besoin de votre soutien. Je vous dis à la prochaine. Fighting!